Quel est le problème principal? Faut choisir. Par où commencer? Les inflammations chroniques? Les utérus finissent par doubler, voire tripler de volume. C'est commercialisé depuis quand? Ça fait 15 ans. Ah bon? J'en implante beaucoup moins qu'avant. Vous ne devriez pas en implanter du tout. Nous sommes dans le métier depuis assez longtemps pour vous dire que toutes les opérations peuvent conduire à des complications. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis... Désolé pour vous. Vous savez qu'il y a de graves effets secondaires? Non, si c'est bien fait, ça ne pose aucun problème. Si, même si c'est bien fait. Non, non. Toutes ces femmes ont subi des hystérectomies, des salpingectomies ou autres. Les dispositifs finissent toujours par migrer. Nous avons des preuves. Qu'arrive-t-il en cas de complications? Les complications, ça arrive. Dans ce cas-là, on l'enlève et c'est fini. Et comment on l'enlève? On fait une hystéroscopie. Et vous tirez dessus? On insère un instrument et on tire dessus. Si vous faites ça, il casse. Vous n'êtes pas médecin. Vous dites n'importe quoi. Sur les 33 000 femmes du groupe, 9 000 ont été opérées. Ce n'est pas possible de récupérer les fragments du ressort. Ils sont coincés. Bon, j'y vais. J'étais ravi. Bonne chance. Il y a beaucoup d'incertitudes en médecine. Peu de praticiens acceptent d'avouer leurs lacunes. En revanche, ils n'hésitent pas à vous vanter les mérites d'un traitement. Dès qu'on remet en question leur technique, ils nous critiquent et nous reprochent d'effrayer le public sans raison. J'ai l'impression que les médecins se renseignent peu sur les dispositifs qu'ils implantent. Cependant, si on leur demande d'arrêter de les utiliser, ils demandent des tonnes de preuves, ce qu'ils ne demandent pas au départ. C'est le monde à l'envers. Il y a beaucoup de gens compétents en médecine, mais la course aux nouveaux gadgets et aux nouvelles technologies est trop présente. Les produits sont mal évalués. Il ne faut pas s'étonner du résultat. Si j'avais connu la réalité du milieu il y a X années quand j'ai commencé, j'aurais fait autre chose. J'ai travaillé pour l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques du monde. Ma dernière mission consistait à convaincre les chirurgiens d'utiliser nos implants. Tout repose sur l'utilisation. Plus nos implants sont utilisés, plus ils rapportent. Ce n'est qu'une question d'argent. La plupart des médecins sont intègres. Malheureusement, certains se laissent corrompre par les laboratoires, qui proposent de leur donner de l'argent s'ils utilisent leurs dispositifs, même s'ils ne sont pas appropriés.
Et c'est parfaitement légal aux États-Unis. Ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une place de consultant, d'enseignant ou de chercheur, ou un financement pour un programme. There are some doctors that...